Oh, ça me nous. Wow, c'est quoi cette maison? Où suis-je? Mais what? Ok les amis, je crois qu'on a intérêt dans un endroit assez flippant. Et je pense qu'on va devoir s'échapper. Oh, il y a des yeux très bizarres, regardez-moi ça qui nous regarde de travers. On va vite s'écarter de tout ça. Ouais, c'est tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite comme vous le constatez. Et aujourd'hui les amis, on est là pour faire un escape game très particulier, car nous sommes sur une map Halloween et il risque d'avoir des screamers, donc les âmes sensibles, partez. Non mais non, vous pouvez rester, ne vous inquiétez pas, réfugiez-vous dans les commentaires, toi-même tu sais. Mais donc du coup aujourd'hui map Fortnite avec des petits screamers et tout, enfin, franchement j'ai hâte de tester tout ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Fortnite et j'ai vraiment trop hâte de tester. Je crois que je viens d'avoir des yeux là-bas, hein. Enfin franchement c'est grave flippant. Bref, allons-y, let's go sans plus tarder. Est-ce qu'il faut taper ça? Je ne sais pas. Ah, je crois que c'est là. Faut activer un... Et bah alors on est perdu. Si tu veux passer tu devras me trouver mon ami. Qui est l'araignée? Elle adore les cimetières. Oula, oula, c'est pas très rassurant tout ça. Ah elle est là l'araignée, regardez, je viens de la trouver. C'est donc elle l'araignée? Oh, c'est bon, je viens de l'activer, regardez moi ça. On avait juste à taper sur l'araignée et ça a activé. Trop stylé. Ok, donc ça c'est fait. Première mission terminée, merci bonhomme. Fais attention au manoir, il se passe des choses étranges. Oula, oula là. Oh, une lampe torche. C'est une lampe torche, regardez moi ça. Oh, ça c'est classe, ça j'aime bien. Ouh, ça va faire flipper les amis, ça va faire vraiment flipper. Si vous avez peur, lâche un petit pouce bleu. Bref, on va devoir explorer tout ça. Avant, j'ai bien envie de regarder s'il n'y a pas des petits chemins. Ok, on va éteindre la lumière quand même. On va pas se repérer, hein, parce que s'il y a des monstres, j'ai pas envie de me faire avoir. Ok, on va lui parler. Trouve mon flambeau et je te laisserai entrer dans mon manoir. Bah ton flambeau il est là. Ah non, ok, il veut qu'on lui trouve, ok. Non mais moi je crois qu'il était là, mais non en fait je me suis trompé. C'est ça, on doit le ramener ici. Je suis bête. Oh, je viens de réussir. Oui. Alors est-ce que c'est ici ou pas? Est-ce que, déjà on va arriver à un endroit. Je sais même pas si on a le droit d'arriver ici. Mais je pense bien que oui, parce que regardez moi ça, il y a... Wow. Sympa, sympa le piège. Ok, c'était très sympa le piège. Sympa, oui. Franchement, j'ai eu peur, mais sans trop. Ça va pour l'instant, ça va. On s'en est bien sorti, je trouve. Plus que de peur que de mal. Alors, est-ce que ici il y a un chemin? Oui, il y a un chemin par là. Je le sens pas là non plus. Oh, ok. Oh, ok. On arrive dans un endroit. Oh, la torche. Oui, la torche. Est-ce que ça va, monsieur? Est-ce que vous dormez bien? Oui, c'est bon. Restez dormir. Oui, ça s'ira très bien, ça. Restez comme vous êtes, c'est très très bien. Alors, est-ce qu'il y a un chemin ici? Oui, là, on peut passer ou pas? J'ai pas l'impression qu'on puisse passer. Malheureusement, ça risque... Oh, attendez. Oh, j'ai dit n'importe quoi, en fait. On peut passer par là et je suis complètement perdu. Alors, où suis-je? Ok, j'ai réussi à tomber. Mais je pense qu'il y a un chemin ici. Entre, vas-y pour trouver la suite. Est-ce qu'on peut péter là? Ah, ok, on peut sauter là. Ah, ok, nickel. Ouf. J'ai réussi à trouver le chemin. Oh, ça te galère. Allez, saute. Saute, petit bonhomme. Ok, nickel. Allez, allez. Oh, ça va être compliqué. Ah, voilà, nickel. Ouf. Ok, alors. Ok, on peut passer par là. Du coup, on va devoir sauter par ici, je pense. Hop là, monsieur, j'ai votre torche. Regardez-moi ça. Elle est juste ici, votre torche. Je vous la dépose, hein. Franchement, vous me laissez tranquille. Voilà. Merci bien. Tu peux maintenant entrer et fais attention. Oula. Ok. Wow. Wow, j'ai eu peur. Je me suis dit. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'étais en mode, il faut que je trouve un truc. Et en fait, j'avais pas de bouton pour pouvoir ouvrir la porte et ça m'a fait peur. Et là, voilà, nickel. Parlez. Les aérations sont éteintes. Il doit bien avoir un bouton dans une salle de contrôle, non? Il doit avoir un passage secret dans la maison. Du coup, on a trouvé une salle de contrôle et... Mais il doit avoir un passage secret dans la maison. Et ça fait peur. Il y a un fantôme. Ok, 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 ok. C'était très bizarre parce que j'ai vu le fantôme, je me suis dit non c'est pas un screamer, et bah si, il y a quand même un petit screamer. Bon, on va bien analyser chaque pièce de la maison et on va faire attention. Est-ce qu'il y a un screamer? Non, pas de screamer ici. Ok les amis, on éteint un screamer. Pas de screamer malheureusement ici. Malheureusement t'es l'ami qui a envie d'avoir un screamer à force. Ok, est-ce qu'il y a un screamer là? Pas de screamer non. Les amis, je crois que je viens de trouver un truc parce que regardez moi ça, ici il y a une sorte de petit trou. Ah, oh, en papier. Ah nickel, ok, je viens de trouver le passage. Ok, donc nouvelle étape, on va devoir réactiver notre petite lampe et continuer à fouiller les endroits en espérant qu'il n'y ait toujours pas de screamer. Ça me fait peur à chaque fois. Bref, c'est pas grave, continuons. Est-ce que ici il y a une. Qu'il n'y a pas grand chose? Wow. Si, il y avait quelque chose en fait. C'était juste ici. Bref, nickel alors. Ça veut dire que le passage est. Ah non, c'était juste un piège. Ah, oh, je suis déçu. Ah, mais attendez, ça doit être là la salle de contrôle. Regardez. Ça doit être ici. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Regardez-moi ça. Là, bah, on n'a plus appuyé normalement, ça doit être ok. Donc on pourrait aller maintenant retourner voir le fantôme du haut. Voilà, nickel, ça marche, la bouche d'aération. C'est cool ça.
C'est par ici, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut que je sois... Bon, bah, c'est parti, let's go. Ok, bah, tout s'est bien passé. Il doit bien avoir un endroit quelque part, je pense, un petit trou. Est-ce que c'est ici? Voilà, nickel. Ok, donc nouvelle salle avec un checkpoint. Ça annonce rien de bon, tout ça. Ça annonce vraiment rien de bon. Ok, donc, ah ouais, on était là tout à l'heure. Ça sent les pièges à des endroits, ça j'aime pas du tout. Ah, quand il y a de la brume, ça tu sais que ça sent pas très bon. De la compagnie, ça fait 3 jours que je suis coincé ici. Aide-moi à détruire les rochers, il doit y avoir quelqu'un qui a des explosifs pas loin. Ok, donc du coup, on va devoir péter ces rochers. Mais une personne doit avoir des explosifs sur lui. Du coup, bah, allons faire notre petite recherche. Je pense qu'il doit avoir un trou quelque part. Et on va y tomber dessus comme par hasard, vous allez voir. Ah, regardez-moi ça, un petit chemin juste ici. Nickel. Ok, alors est-ce qu'il y a un trou quelque... Regardez, oh, c'est un faux pas le fond. Ah non, c'est pas un faux pas le fond. Ok, okay. Autant pour moi, c'est un bug du jeu. Oh, ok, 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 ok. Maintenant, on a l'habitude. On a l'habitude. Ok, continuons notre chemin. On ne doit plus s'arrêter. Allez, on continue à courir sans s'arrêter. Franchement, les zones grandes, j'aime pas. Il y a trop de trucs à chercher à chaque fois et j'aime pas du tout. Je me perds trop vite. Bref, là, nous avons quand même notre petit endroit qui nous dit qu'on peut venir parler à cette personne. Oui, il y a rarement des gens par ici. Je veux mes explosifs, je veux avoir la monnaie en échange. Trouve-moi 42 bois. Ok. Un truc ici bizarre, du coup, bah, je vais voir tout ça. Ici, on va spammer. Parce que je pense que dans les herbes. Oh, attendez. Ah, c'est bon, je les ai. Nickel. Nice. Oh, ok. Truc bizarre. Ah, il y en a que 10 par contre. Bref, continuons à chercher. On va bien voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Oh, ah, un bouton. Voilà, je vous l'avais dit. C'est sûr qu'il y a même un truc. Ok. Ah, ça ouvre là-bas. Nickel. Ok, c'est pas rassurant du tout par contre. Hein. Ça, j'aime pas du tout. Ça a l'air pas du tout rassurant. Ça sent le piège, ça sent le piège, je sais pas où, mais il doit être pas loin. Okay, la petite araignée comme d'hab, je la frappe tout le temps, je sais pas pourquoi. Ah, ok, nous avons ici du bois, 10 de bois, il nous en manque encore 20 trucs par hasard. Du coup, oh, c'était sûr en fait, mais c'était sûr. Ok, alors là nous avons 10 de bois, ok, pourquoi pas. Et il nous en manque encore, bah, 10 à trouver, oh, ah, ok, nickel. Ce serait par hasard pas dans la maison et qu'on l'aurait raté quelque part. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit passage secret? Oh, il y a un étage en tout cas. Du coup, allons-y le voir. Est-ce que, par hasard, est-ce que vous n'aurez pas un peu de bois, s'il vous plaît? Ah, si, regardez-moi ça, il est là. Il est caché juste ici, le petit bois. Et du coup, nous avons les 40 de bois. Et on peut lui acheter la dynamite. Nickel. Hop là, du coup, on va pouvoir ressortir par notre petite grotte. Oh, ça va être compliqué à grimper, je sens. Hop là, allez. Fais un peu de grimpad. Ça va faire du bien aux jambes. Éloignez-vous. Oh, ça va péter. Et boum. Non. Ah si, c'est bon. Merci beaucoup. Je suis enfin libre. Bah, pas de problème, poteau. J'espère juste que... Ok, encore une autre zone. C'est vraiment flippant, tout ça. Petite musique. Non, une petite musique égyptienne, mais tout va bien sinon. Let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit screamer. Je pense qu'il devrait pas en avoir un. Enfin, il devrait en avoir un dans pas longtemps, je pense. Du coup, on va activer notre petite lampe. On va voir s'il n'y a pas un petit chemin quelque part. Parce que, ouais, souvent le truc est ici, mais il faut faire un énorme détour pour y arriver. Du coup, pour l'instant, bah, je ne vois rien. Ah, attendez. Ah, ok. Là, il y a des trucs. Ok. Est-ce qu'on peut monter là? Oui, on peut monter là. Ah, ok. Donc, ça devrait être là, je pense. C'est pas mis par hasard. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, je vais pas galérer. Oh, ok, nickel, on peut passer par là et par là. Nickel, ok. Encore une nouvelle personne. Mon ami est en haut et a besoin de 3 fusibles pour ouvrir la porte vers la sortie. Aide-le si tu veux aussi sortir. Ok, le mec a besoin de 3 fusibles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Let's go, allons le chercher directement. Non, ne dis pas qu'on peut passer. Non, on peut passer par là. Putain, je me casse la tête à monter. Par contre, il vient de m'enlever ma lampe et ça. Ah non, c'est bon, elle est là. Ok, nickel, j'ai eu peur. Je me dis quand même, on va me laisser ma petite lampe. Ok, alors, le mec est en haut, il paraît. Alors, je sais pas si c'est affiché, non, c'est pas affiché. Faut qu'on lui trouve les 3 fusibles. Ok, donc go lui trouver les 3 fusibles. Là, nous avons un fusible ici. Donc, bah, allons directement le chercher. Je sais pas par où, mais on va bien trouver, je pense. En espérant qu'il n'y ait pas un faux plancher. Et j'ai bien peur que si. Oh non, ok, c'est pas un faux plancher, c'était des yeux. Des yeux enflammés, pourquoi pas. Ok, on va faire gaffe, parce que j'étais en mode, il y a faux plancher quelque part, mais non, c'était pas un faux plancher. C'était un screamer vers la hauteur. Ok, donc, ok, on peut faire encore surprendre, je pense. Est-ce que ça sent le fusible ici, hein? Franchement, ça sent le fusible. Non, franchement, c'est, il y a un bruit de fusible, et je trouve ça vraiment stylé. Ah, ok, c'est là. Nickel. Et deux, un fusible en moins. Let's go, retournons en arrière, en espérant qu'il n'y ait pas de screamer en retour.
Ah, là, il y a un fusible aussi. Est-ce que c'est un fusible, ça? J'espère bien que oui. Ok, et de 1, nous avons un fusible. Et au passage, nous avons fait... En fait, là-bas, c'était pas un fusible, nous avons fait sauter des plombs. Et je pense que ça a dû ouvrir une porte quelque part. Je sais pas où. Bon, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça passe. Du coup, bon, on va essayer de voir. Je suis sûr qu'il y a un truc au rocher, en tout cas. Du coup, on va essayer de chercher un peu mieux. Mais je suis sûr qu'il y a un truc vers là-bas, parce que le rocher comme ça, où on peut sauter... À moins que... Ah, si, on peut peut-être passer par là. On va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok, donc c'est sûr, il y a un chemin par là. Ok, on arrive de l'autre côté. Ok, ok, donc là il y a le mec pour le fusible, j'ai l'impression. C'est bien lui? Oui, vous êtes monsieur pour le fusible? Je viens de retrouver pour détruire les débris au-dessus de moi. Ok. Sérieusement? Est-ce qu'on était... Mais si on était passé, on l'avait pas vu ça malheureusement. Ok, bon bah nickel. Bon, essayons directement sur le haut pour voir si ça marche ou pas. Ok. Ok, bon c'est ça, j'ai l'impression. Ah, ça me fait peur tout ça. J'ai sauté, ok. Alors, bouton désactiver l'activation du fusible de la zone nécessaire. Quoi? Faut... Ah, mais oui, la zone réactive, c'est là. Du coup, bah, allons-y directement l'activer. Nickel, on l'a eu. Et du coup, normalement, ça devrait ouvrir la porte du haut, si on s'est pas trompé. Alors, est-ce que maintenant la porte est ouverte? Ah, ça a l'air d'être ouvert, nickel. Ok, donc maintenant, il ne reste plus qu'un fusible de ce que je viens de compter et comprendre. Du coup, ok, nous avons un checkpoint. On va passer par là, j'espère que ça risque de passer. Si on passe là et que... Ah oui, on va pouvoir longer le bord si on tombe pas. Ok, nickel. Et là, normalement, nous avons le fusible juste ici, nickel. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons les trois fusibles et du coup, on va pouvoir lui ouvrir la porte et espérons qu'on va pouvoir aussi nous ouvrir la porte. C'est vraiment sympa tout ça. Du coup, allons directement lui parler et voir si enfin on va pouvoir sortir de ce monde, parce qu'en tout cas, la porte a l'air vraiment résistante. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Non, il n'y a pas de bouton. Ok, on va lui parler. Ok, je lui donne les fusibles. Ok, les fusibles sont juste ici, vraiment trop stylé. Et est-ce que ça va ouvrir un truc? Échappe-toi. Oui, échappe-moi, mais comment? Comment veux-tu que je m'échappe? Ah là, le bouton que j'avais vu tout à l'heure. Voilà, nickel. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est la fin? Est-ce que vous pensez... J'ai peur qu'un screamer, c'est pour ça que je regarde comme ça. Est-ce que vous pensez que je viens de réussir à m'échapper par ce tunnel? Oh non. Oh, c'était sûr qu'un screamer. C'était sûr. Voilà, je vous l'avais dit. Wow, j'ai sursauté là. Pour le dernier, il était pas mal quand même. Wow. Et attends. Wow. Et qu'est-ce que... Ma chambre... Ah, ce n'était qu'un cauchemar, les amis. En fait, depuis le début, c'était un cauchemar. Mais c'était sûr en fait. Et voilà, nous avons terminé et nous avons récupéré le petit tête de citrouille et nous avons donc réussi cette map. Wow, et donc nous sommes de retour sur le mode créatif et on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, mais avant que vous partez, vous pouvez lâcher un tout petit like, même un gros like, et vous pouvez vous aussi vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rater aucune des nouvelles vidéos Fortnite qui risquent d'arriver dans le futur. Et du coup, bah nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo Halloween, je pense, parce que franchement c'est des thèmes de vidéos que j'aime beaucoup. Et donc d'ici là, portez-vous bien, c'était avec... Allez, high five.